dizaine de minutes pour des enfants de 6 à 12 ans à peu près, ou même pour les parents si vous voulez, si vous n'avez rien à faire. Donc là, on va commencer par ce petit atelier qui va être un slalom. Donc là, on fait un slalom classique. J'ai pris une décoration, une chaise, vous pouvez prendre ce que vous avez. Hop, je fais mon petit slalom, j'arrive toujours en courant, hein. Le but c'est de se défoncer. J'arrive sur ma table où j'ai disposé des chaussures un peu partout. Elles sont posées un peu n'importe où. Et là, mon but, c'est de rassembler les chaussures par paire. C'est-à-dire, je mets les deux mêmes chaussures ensemble. Hop, ces deux-là sont les deux mêmes, je les mets ensemble. Celle-là aussi. Et je finis par celle-ci. Après ça, je me dépêche, je me mets sur le côté, j'ai mis deux coussins. Deux coussins, deux tapis, ce que vous avez sous la main. Je mets dessus, les deux pieds collés. Et je fais un saut groupé vers l'avant, hop, je ratterris. Ensuite, j'arrive là où j'ai disposé mes torchons. Ils peuvent être accrochés à la porte ou par terre, hein, il n'y a pas de souci. J'en prends un que je mets derrière mon pantalon, hop, comme un peu une queue du diable. Et ensuite, je reviens en marche arrière sur mon point de départ. Le but du jeu, c'est de faire cet exercice trois fois avec un temps. Donc là, il y a la personne à côté de moi qui peut être ma mère, mon frère ou autre, qui prend mon temps et le but du jeu c'est de faire trois tours. Donc là j'ai fait un tour, hop, toujours là, torchon dans ma petite queue, dans mon petit pantalon. J'arrive. Maintenant, deuxième tour. Je vais devoir mettre d'un côté les chaussures les plus sombres et de l'autre côté les chaussures les plus claires. Hop, ça c'est sombre et tout ça c'est clair. Parfait, je continue. Je refais mes deux sauts, hop, et je reprends un torchon. Je remets dans mon pantalon, n'importe où. Je refais mon slalom. Ensuite, j'arrive ici, et maintenant, je vais devoir classer d'un côté les chaussures avec des lacets, et de l'autre, les chaussures qui n'en ont pas. Donc là, j'ai des claquettes, je vais les mettre là, ça peut se faire avec des chaussons ou autre. Voilà, mes chaussures à lacets sont là, et mes chaussures sans lacets sont ici. Je recommence, je refais un tour, hop, je reprends mon torchon, je refais ma marche arrière, et là j'ai fini l'atelier. Donc là, la personne qui est avec moi arrête le temps, on regarde tous les deux le temps que j'ai fait, par exemple j'ai mis 3 minutes, et ben la prochaine fois je refais la même chose, je remets tout comme c'était, et j'essaye d'avoir un meilleur temps, donc de faire en sorte que le temps devienne de plus en plus bas au fil des fois que j'essaye. Donc vous pouvez le faire à plusieurs avec un camarade ou autre. J'espère que cette activité vous a permis de passer un peu le temps et bien sûr qu'elle vous a amusé. Je rappelle qu'on range toujours le matériel après utilisation, très important. Vous pouvez rajouter de la musique, hein, pour que ça vous donne un peu plus de motivation. Et portez-vous bien et à bientôt.